Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. C'est parti pour cette rencontre. Ce sera un coup franc. Mario Fernandez. Golovin. Pouki. Zirkov, il change le jeu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Transversal. L'ouverture lumineuse. Il a trébuché sur cette intervention. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. C'est joué long. Attention, la frappe. Zirkov. La Russie qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Mais avec joie. Oh, c'est chaud. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche la... Il prend sa chance. Renvoyé par la barre. Ils ont notre chance. L'ouverture du score. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. On y est. Le compteur est débloqué. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Il va provoquer. Sparv. Long ballon dans le sens du jeu. Golovin. Non, il n'a pas joué le ballon là. Qui est le premier sur ce ballon? Il est tenté d'écarter, mais le ballon est perdu. Il reste encore un peu de temps pour tenter d'égaliser avant la mi-temps. Mario Fernandez. Bien, la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Ce sera un centre. C'est bien intercepté. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Sparv. Quelle passe. Le bon dribble. La passe est précise. Le gardien dégage, loin. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. La seconde période a donc déjà débuté. La Finlande n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné.
Un long ballon vers l'avant. Dans la profondeur. Quelle location, attention! Le long dégagement du gardien. Golovin, la relance côté droit. C'est joué long, attention, bonne intervention. Il décide d'allonger le jeu. Diouba. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Pouki. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va au duel. Frappe, attention! Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Regardez son visage, il sait qu'il vient de rater une énorme occasion. Diouba, il perd l'équilibre. Ça manque de finition tout ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. La passe dans la profondeur. Il est passé. Un peu d'air. C'est l'occasion de procéder à un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le centre. Il est là pour dégager. Et l'arbitre siffle la fin du match. Et la défaite 1-0. La moindre erreur se paie cash. C'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Vous savez, après ce but, je me disais...